Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur que vous nous faites de venir ce matin visiter cette usine de Villeurbanne, Safran Landing System, où nous fabriquons des freins carbone. Nous avons 3 usines dans le monde qui produisent du carbone. Nous sommes le premier fabricant mondial de freins carbone. Nous avons besoin de 100 tonnes de plus par an, rien qu'en regardant l'augmentation du trafic. Et donc, il nous faut, à partir de 2024, un nouveau site. Et pour réaliser l'ensemble de ces process et être sûr qu'on sera capable de pouvoir arriver à un résultat positif, il nous faut mettre de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros de R&D. Donc, nous sommes retournés vers l'État français. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République est là pour pouvoir nous apporter de bonnes nouvelles concernant l'évolution de ce dossier. La bonne nouvelle, c'est que cette 4e usine de freins carbone, elle se fera ici, à Villeurbanne-Fézin, parce que vous l'avez voulu et parce que nous avons accompagné. Et parce que le groupe, je le dis, va derrière investir près de 230 millions d'euros sur ce 4e site. Une trentaine de millions d'euros pour qu'il y ait de la R&D et que les choses décollent, qu'on s'assure que justement les investissements seront les bons, que les gains en efficacité seront les bons, que le nouveau modèle de cette 4e usine sera le bon. Et c'est 200 millions d'euros d'investissement productif pour créer d'abord 50 emplois tout de suite, puis environ 200 emplois à terme. Et donc moi, je vous dois un grand merci, parce que le choix qu'on a fait d'accompagner n'aurait même pas été possible si vous n'aviez pas fait le choix, vous, depuis des décennies, de vous engager chaque jour, de porter ce travail avec fierté, de défendre les couleurs de l'entreprise avec fierté et de montrer votre savoir-faire. Donc merci pour cela, merci à Safran et vive l'industrie française, j'y crois très profondément et nous aurons encore beaucoup d'autres batailles remportées. Merci à vous pour ce choix.